salle de bain. Comme ça, je vais vite me préparer. Je suis trop intelligente. Il n'y a pas plus intelligente que moi. C'est pas profond ça. Attends, je vais l'éteindre. Ah mais c'est vrai, c'est pas profond. Bon, je dois m'habiller, je crois. Ah, tellement que j'ai arraché tous mes dents, la fée m'a donné beaucoup d'argent et j'ai acheté le livre de Peppa Pig. Oh non, je viens de me rappeler, j'avais perdu le livre de Peppa Pig. En plus, j'ai arraché mes dents pour rien. C'est pas grave. Au moins, je ressemble à mon idole Dora l'exploratrice. Papa, tu me prépares quoi comme déjeuner ? Salut Audrine l'aubergine. Alors pour ce petit déjeuner, je vais te... Pourquoi pas prendre une petite banane, une petite pomme ? Ça va te faire du bien, je te dis. Mais non, les bananes c'est trop salé, j'aime pas. Comment ça les bananes c'est salé ? T'es bête ou quoi ? Oui, et même la pomme, elle est dégueulasse. Non, non, et non, je te prépare rien d'autre. Tu prends une pomme, une petite banane et tu vas à l'école tout de suite, ok ? J'en ai marre de tes caprices. Regarde la pomme, elle est pourrie. Je peux pas manger ça, papa. Désolée, mais je peux pas manger ça. C'est pas bon. Alors, tu veux manger quoi ? Une pizza. Oh là là, il y a que les débiles comme toi pour manger des pizzas au petit déjeuner. C'est pas possible. Mais non, regarde bien la pomme et la banane. Vas-y, prends une pizza et laisse-moi me reposer un peu. C'est pas possible, cette fille-là. Toujours avec ses caprices. Je l'ai mis avec mon sac. T'as mis la pizza dans ton sac ? Ben oui. Oh là là, dégage, sors de ma maison. C'est pas ma fille, ça, c'est un extraterrestre. Bonjour, prof. Bonjour, je suis pas votre prof. Ben oui, t'es notre prof. Attends, madame, là, on est dans l'établissement de la police, pas à l'école. Je vois rien de police, là. Madame, s'il vous plaît, je parle sérieux, j'ai pas envie de perdre mon temps avec vous. Veuillez sortir de l'établissement tout de suite. Oh là là, t'es débile, regarde, c'est une école. Bon, désolé Dora de Wish, vous devrez sortir de cet établissement, c'est pas possible. Hein. Sortez tout de suite, sinon j'appelle la... Je vais pas appeler la police parce que c'est moi la police, mais vous m'avez compris, sortez tout de suite. Oh là là, elle est trop débile. Bonjour madame la grosse. Bonjour madame. J'aimerais avoir un chocolat s'il vous plaît. Un chocolat ? Oui, un chocolat s'il vous plaît. Ok, ça fera 5$ s'il vous plaît. Attends, 5$ ? Vous rigolez ? Ça fait le prix de mon livre Peppa Pig. Mais je m'en fous moi de votre livre Peppa Pig. Je veux 5$ si vous voulez un chocolat. Ici c'est pas gratuit, ok ? En plus c'est minuscule. Non, c'est... Oui c'est minuscule, mais ça fait quand même 5$. Ici c'est pas ton frigo, ok ? En plus, c'est soit tu payes... Une minute. Je m'en fous que tu peux le manger une minute, une heure. Dans tous les cas c'est pas gratuit, ça coûte 5$. C'est de l'arnaque ici. Bah oui, bon débarras d'abord. Comment ça arriver à l'heure? Ça fait une heure le cours, il est commencé. Ben, oh. Je suis partie à l'heure. J'ai des preuves. Oh, toujours en retard. C'est bon, assieds-toi. Aujourd'hui, c'est l'exposé oral. Oh là là. Ok, les élèves. Donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est l'exposé oral. Donc, voilà, j'espère vraiment que vous avez vos maquettes. Oui. Parfait. Donc, voilà. Qui veut commencer? Moi. Ok, Audrine l'aubergine, mets-toi devant le tableau et fais ton exposé. Je vais m'asseoir à ta place et je vais te noter. Ok, super. Bonjour tout le monde. Je vais vous dire qui est mon idole, c'est Dora. Vive Dora. En plus, j'ai la même coiffure que Dora. Vive Dora, vive Dora, vive Dora. C'est mon idole, j'adore Dora. En plus, je regarde, c'est ma série préférée. C'est bon, pas besoin de crier, Audrey l'aubergine. C'est pas tes affaires, tête d'hérisson. Comment ça, tête d'hérisson? Tête de Dora en carton, oui. Tu t'es fait avec ta casquette de tête d'hélicoptère, va? Eh ben toi, tes dents, ils se sentent seuls tellement qu'ils sentent pas beaucoup. Vous allez vous calmer, oui? Ouais, on va se calmer. Ok, les élèves, là, on va aller manger, on va aller à la cantine. Par contre, si vous vous disputez, vous allez affaire à moi. Celui qui commence devra copier 1000 fois le mot cours. Tu fais quoi, là? Descends tout de suite. Ah, c'est trop cool. Descends, sinon tu vas copier le mot courgette 1000 fois. Oh là là, c'est pas possible, les niaiseries. Allez, venez, on monte. Par contre, aujourd'hui, pas de pizza, pas de Doritos, hein, que des fruits et des légumes. Une petite pomme ici et la petite banane. Pas de pizza, surtout pas de pizza. Oh non, j'aime pas les bananes, sont salées, dégueulasses. Oh là là, mais c'est pas salé une banane, c'est sucré. C'est les Doritos qui sont salés. Mais regarde. Regarde, fais comme Madame Casquette là, regardez, elle le mange. Elle est contente, c'est bon, fais comme elle. Mais parce qu'elle aime le salé. Oui, je prends le Doritos, j'ai le droit de faire ce que je veux. Après, je me demande pourquoi t'es grosse. C'est pas possible. Je suis pas possible. Qu'est-ce que tu fais, madame casquette?
Tu crois que je t'ai pas vu? Ça, oh, mais vous êtes... Vas-y, prenez tout ce que vous voulez. Moi, je dégage. Vraiment, moi, je dégage. Ah là là, on se régale, hein? Ouais, on se régale trop. C'est magnifique, j'aime trop les Doritos. J'adore ce jus, il me fait trop régaler. Par contre, j'aime aussi les bananes, mais je préfère les pizzas, ouais. Ah là là, t'as pas de goût. Hé, tu la fermes, tête de Dora au carton, va. Toi, t'as une tête de casquette, alors parle pas, Hé, t'as vu ta tête de Dora de Wish? C'est mon idole, Dora, alors t'as pas le droit de la traiter. Ton idole, ouais, ouais. Ok, maintenant, on va faire un examen. Oh non, pas d'examen. Oui, 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 un examen. Par contre, elle est où, Madame Casquette? Elle s'est enfuie parce qu'elle te déteste avec tes cheveux de hérisson. Quoi? Mes cheveux d'hérisson? Ben oui. Non, 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 j'ai une belle coupe. Bon, tant pis, elle aura zéro, c'est sans problème. Bon, puisque t'es tout seul, je vais te faire l'examen par oral, ok? Ok. Ok, première question, nomme-moi 5 aliments. Les castors, les lapins, les chiens, les chats, les kangourous et... Stop, 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 stop. Attends. Là, tu vas me dire que toi, tu vas chez toi, ton père, il te prépare au souper un petit chien, un petit chat, un petit castor, un... Quoi? Ben oui, c'est des aliments, c'est ce qu'on mange dans la vie. Attends, toi, tu vas me dire que là, tu manges des chiens, toi. Ben oui, on mange ça. Tu dis que c'est des aliments, on doit les manger. Et tu dis qu'on doit les manger, voilà. Oh là là là, comment t'as pu terminer ici, toi? Mais toi, tu dois aller dans une animalerie, c'est pas possible. T'es tellement débile. Oh, je vais faire quoi avec toi? Non, ça se mange pas. J'espère que tu manges pas de chien, toi. J'espère. Ben, c'est des aliments, on doit les manger. Ok, ok, ok. Passons à la deuxième question. Ok, pour la deuxième question, essaye de compter jusqu'à 10, s'il te plaît. 9 caca, hérisson, Stop, stop. Ah, mais je vais faire quoi avec toi? Toi, je dois t'envoyer... Non, mais je dois t'envoyer ou toi? C'est bon, moi, je démissionne. T'es la plus débile que j'ai vue de ma vie, hein, juste pour te dire. Vraiment, c'est abusé. Je dois faire quoi avec toi? Achète-moi une glace et ramène-moi dans l'hôtel et c'est tout. Attends, t'as cru que j'étais ton père ou quoi? Vas-y, moi je me casse d'ici, c'est pas possible. C'est quoi cette école? C'est plus une école, c'est une garderie le truc. Yeah, y'a pas le prof, je vais aller à la piscine. Yahoo! Oh, j'ai oublié, je sais pas.